sous dossier ça, on a invité au côté sénateur Moïse Jean-Charles, qui est membre groupe 16 dans le niveau Sénat République là, lui-même qui confirmé ça pour nous. Effectivement, tu as membre cabinet, il parlait de Thierry Maya Paul, avec madame président République là, Sophia Matéli, n'a cité sénateur unité à Moïse Jean-Charles. Il dit qu'il était allé accompagné avec sécurité, il était allé à la caille docteur Gary Conny pour imposer Lyon lettre et pour qui sans date pour demander del CNLI hein laisse ça pour être d'accord pour chef l'état révoquer n'importe qui laisse toutefois li estimé li pas bay rendement dans ça qui gagne avec orientation politique président république là. Moïse Jean-Charles qualifier ça de scandale politique, li qualifier tout chef l'état de mesdames, n'a cité sénateur Moïse Jean-Charles qui croit Michel Martelly pas une volonté tout bon vrai pour gagner un nouveau gouvernement dans pays avec un premier ministre installé. Explication Moïse Jean-Charles qui confirmait effectivement ça t'est arrivé et parler de rencontre premier ministre Désir a gagné avec quelques membres GPR dans chambre basse là. Il prévoit tout pour rencontrer membre groupe 16 soit ou bien demain. Explication sénateur Moïse Jean-Charles. Oui, effectivement samedi après-midi membres qui sont dans le cabinet président là y compris madame ni débarqué avec monsieur Gary Conny et yo bayon lettre sans date pour capable signer comme quoi dire cet avant on lève démission à n'importe qui moment pour être capable de l'aller. Non seulement messieurs dames ont été débarqués, mais même temps tout ont été débarqués avec un pile monde, en pile sécurité. Dans ce sens là, nous condamnons ça, nous considérons ça comme un scandale politique. Ça ne peut pas mener le pays à aucun côté. Et tout le monde qui a un doute, l'un qu'on dit, président Martelly, a fait son gouvernement, je dis, ça vérifie pour tout le haïtien. Non seulement pour tout le haïtien, y compris la communauté internationale. Une fois encore, nous comprenons clairement, le président Martelly a besoin de retirer le pays dans la situation que il est là. Avec une petite équipe qui peut payer en otage, le haïtien menti. Et il y a mené le pays vers on dérive économique, on dérive politique. Malheureusement, c'est ça qui a passé les Parisiens. Ensuite, en même temps, ce n'est pas parce que la chose arrivait pour nous dire, monsieur Gary Conny, il y a un chèque en blanc à mer. Au contraire, nous décidons pour nous donner un vote technico-politique. On vote technico-politique. Non seulement nous ne pouvons pas aller en dehors de la Constitution 1947, nous ne pouvons pas aller en dehors de l'article 157 de la Constitution 1947, mais en même temps, tout, il faut que nous fassions une décision politique pour ne pas faire voter, mais pas de presse, pour que nous payions un otage et pour ne pas faire rien. Il faut que nous soyons faites avant même qu'on vote. En attendant, nous ne pouvons aucune décision arrêtée. Nous avons fait concentration, nous avons parlé avec tout le monde pour nous voir comment nous sommes capables de rester payants dans la situation que nous avons là. Nous avons encore pour nous finir, nous condamner énergiquement façon sur la place de fait, façon manœuvre politique en fait, façon politique mettre d'âme en fait dans notre pays, surtout au niveau de la présidence. Les Parisiens, nous mêlons. Sous côté madame chef l'état Sophia Martelly ou digne qui était allé accompagner quelques nos proches président Martelly, qui est encore qui était là. C'est que monsieur Thierry Maya Paul, c'est que monsieur Calix était là et l'a prié. Nous redire encore, nous condamnons façon entière équipe l'olive qui est mettre en otage. Après Paris Saint-Marty, je dis tout mon petit papa, tout pour nous faire président Martelly pour mesdames. Mesdames dans quel sens? Mesdames, parler en pile son, et puis c'est après que l'on baille en baille, c'est hypocrisie. Les connaît clairement monsieur où j'ai pas ta passé. Les connaît clairement monsieur où j'ai pas ta passé. Cette fois-ci, les voyez monsieur, gars, il connaît, les connaît clairement pas ta passé. Lui connaît bien des problèmes qui existaient, mais le vol quand même ne peut pas passer. Lui découvre des députés qui peuvent voter. Mais c'est quand même connu. Non seulement le fait, moi qui n'ai pas cabinet les députés sénateurs, voyez ce mettre maillot, qui ne peut pas voter, c'est quand même connu. Mais en même temps, lui voit pas la pression psychologique. Dans ce sens-là, les Parisiens, les amateurs, ils prennent un coup. Lui par contre, si vous le montez, lui par contre, si vous le défendez, la paix est mesdames. Il y a une pression internationale à la Soudan. Il y a un député qui dit qu'il a voté Gary Conny. Président Martelly n'a pas gagné l'autre choix.
c'est femme tout le monde pour capable gâter jouet là. En même temps, ma prévention pour nous tous, ça pas dit, mais c'est gars connu qui ont chacun de l'appel. Mais et qui groupe député ça, sénateur qui prêt pour voter gars connu ou j'en parle à là? Je peux diviser. Même si divisé, pour qu'on ait une décision arrêtée. Ensemble, nous faisons un qui annonce et un groupe de députés qui vient voter. Mais en attendant, pour qu'on ait une décision arrêtée, surtout dans le groupe, nous-mêmes, c'est parti. Hein. Ça me connaît. Mathématiquement, il y a un député qui dit le fait que le président toujours a dit c'est qui bloque le pays, qui a dit à faire exprès voter gars connu sous base pour ne pas payer un gouvernement. Mais là, bien tout, nous ne pouvons pas agir en dehors de la Constitution de 1987. Il faut que nous respections la loi mère pays. Cette fois-ci, les amateurs qui habitent ce coquet, je dis, ils tombent dans le rouleau et ils peuvent le piéger par le moment. Pas loin de tourner la pelle. Il n'y a pas qu'on ça pour le faire, qu'on y a lui obligé. Préparons lettre de mission. L'ivoire et bas, monsieur Garconi, son date, à n'importe quel moment, 2 mois, 3 mois après, si monsieur Garconi t'a passé, pour capable l'évoquer. Dans tout ça, nous condamnons l'attitude ça, c'est pour président Matéli, ensemble avec Pierre Kibriot, divorcer avec tactique dictatique qui n'a pas de cœur, divorcer avec tactique antidémocratique qui n'a pas de cœur, pour nous connaître ce qui s'est passé dans 57, ce qui s'est passé dans 71, ce qui s'est passé dans 2004, dans 91, je veux dire, on va capable de payer. C'est pour nous divorcer avec ancienne tradition acaïque qui n'a pas de cœur. Laisse-moi parler, sénateur Jean-Charles, qui ça dit la donne en substance? C'est un lot, nos forums, et femmes qui va dire l'autre bagaille que, monsieur le président, moi démissionné et moi merci de faire côté fait choix. Mais le baguette date, ça veut dire automatiquement, monsieur Gary, si elle est ça, les capables, les amateurs capables d'utiliser le ça à n'importe quel moment, au moment opportun. Nous condamnons l'attitude là, le parti démocratique et son attitude dictatoriale. Ça ne va pas mener le pays à aucun côté, c'est pour le président Matéli qui était politique. Même dame, parce que tout le monde va se comprendre, si c'est lui-même qui va empêcher le pays, je dis, il a découvert, il a vu la visage sortir devant tout le monde. Et qui est-ce que tes réactions intéressées à même? Nous sommes en bas de bravo pour Dr. Koné. Le fait qu'elle refuse. Ça qui pisa, mais c'est Thierry Maya Paul, qui est même contraint, mais ces gars ils sont qui étaient ensemble qu'elle était là-dedans. Voilà la situation. Est-ce que nous avons géré au pays comme ça? Moi-même, nous avons dessus, moi pour les haïtiens. Les haïtiens, nous mêlons avec l'équipe Mounzaïo. Est-ce que Dr. Koné est en côté groupe GPR dans deux chambres? Oui, il est rencontré en commission dans la chambre des députés. Ensuite, il est rencontré. Nous sommes députés GPR dans le local combat et je viens de demain, il va rencontrer ensemble avec groupe Chazlan. En tout cas, mais même après l'été, il faut que la discussion soit faite, mais en même temps, c'est pour nous reconnaître, nous ne pouvons pas aller en dehors des lois pays, et en même temps, tout, nous ne pouvons pas aller nous consacrer pour notre votre premier ministre, sans une discussion politique qui fait, qui passe par le fait dans le département. Moi-même, nous reconnaissons nos situations difficiles qui chargent avec confusion parce que nous avons un président, non seulement lié à vous, il n'y a pas maîtrisé le dossier, et puis même tout, l'attaque politique de la dame, ça met le pays à 20 dérives, on dérive économique, on dérive politique, et pays a perdu en plus le compte parce que le président Matéli a joué à ce pays. Voilà, on t'a pas écouté, sénateur Nord-Unité, Moïse Jean-Charles, Yun Mab, groupe 16 sénateurs, nous sommes groupe ça.